Hey yo les potes, c'est Furious et bienvenue sur la chaîne de la Obscure Clan. Aujourd'hui les potes, on va voir tous les faits qui nous font rager sur Call of Duty Black Ops 4. En tout cas qui nous auront fait rager, qui nous font encore rager aujourd'hui et qui nous feront rager par la suite. Tout d'abord les gars, je suis désolé, je tiens à m'excuser pour ma voix ou quoi, ou même si je tousse sans faire exprès. Je suis malade, j'ai de la crève, donc voilà, c'est le début du froid, c'est normal. Donc enfin voilà, je suis désolé pour ça. Avant de commencer, j'aimerais bien remercier Nathan Sayan, Somnex et Obscure Legend. Merci à vous les potos pour m'avoir aidé à réaliser cette vidéo, car je vous explique, on est allé en partie personnalisé. On était 4 et on a réalisé tous ces faits, en tout cas, qui nous ont fait rager sur Call of Duty Black Ops 4. On a essayé de faire au mieux, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On va passer tout de suite au point 1, la grenade flash. La grenade flash, elle est vraiment très cheatée, vraiment, qui nous faut, c'est la grenade flash la plus cheatée de tous les Call of Duty, car elle fait plusieurs flashs, en fait, c'est pas juste un seul flash. Là c'est carrément, elle nous fait 4 flashs en même temps quoi, c'est un truc de ouf. Donc voilà, je vous montre ça, à de suite. Alors attends, bon, non, c'est prêt, non, c'est prêt. Vas-y. Et tu me tues. Donc voilà, vous l'aurez pu le voir, la grenade flash est vraiment très cheatée. Si tu t'en prends une, tu peux être sûr quasiment à 99,9% que tu vas mourir. Donc ensuite, on en vient au deuxième point, ça serait les bullshit. Ok, mais pas n'importe quel bullshit, car oui, dans tous les Call of Duty, on se prend des bullshit, c'est normal, la connexion, etc. Mais qui ne s'est jamais pris de bullshit et son ennemi en face lui restait vraiment juste 2 HP. Voilà, il lui manquait juste une demi-balle. Ou alors un petit caillou dans l'orteil et le mec il creuse en face. Donc voilà, petite démo. Vas-y, 3, 2, 1. Et oui les gars, ce que vous venez de voir, c'est énormément rageant. Qui n'a jamais ragé pour ça, sérieusement. En tout cas, même si t'es en série, y a rien de plus qui te fait rager. C'est vraiment un truc de ouf. Enfin voilà, ensuite, je trouve qu'il y a énormément de broken cam sur ce jeu. Oui, sur Call of Duty Black Ops 4, il y a beaucoup plus de broken cam que sur les autres opus de cette série. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est broken cam, je m'explique. C'est quand votre ennemi, en fait, va pouvoir vous tirer dessus, en tout cas vous voir, sans que vous ne le voyez, et sans que vous ne puissiez lui tirer dessus, en gros. En gros, vous êtes derrière un mur ou quoi, lui va vous voir. Mais vous ne pourrez pas, parce que tout simplement, je sais pas si c'est à cause d'un décalage de connexion, ou je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je vais vous montrer l'exemple en vidéo, tout de suite. Ah là, on va nickel. Ensuite, les gars, ce qui nous fait rager aussi, c'est le mode opérateur des armes, mais pas de n'importe quelle arme. Je parle bien sûr sur les pompes. Pas le premier pompe, le deuxième un peu, celui-là qui est un peu automatique, je suis désolé, je me rappelle plus de son nom. Mais il a un mode opérateur où en fait, quand il va vous viser, il va vous éblouir. En gros, vous ne le verrez pas et c'est vraiment, vraiment très cheaté. C'est tellement cheaté. Ensuite les gars, il y a aussi une chose, et ça vous pouvez pas me dire que ça ne vous est jamais arrivé, si quand vous allez tomber face à un ennemi, vous allez lui mettre quelques balles, il va partir, il va se mettre dans un coin, il va se réanimer avec sa petite seringue, et va revenir vers vous pour vous tuer tout simplement. Et vous aurez fait quoi? Vous l'aurez mis weak, en gros vous l'aurez blessé, vous allez le suivre, sauf que c'est lui qui va vous tuer finalement, parce que lui aura mis sa vie. Exemple. Il faut que tu me mettes l'eau, hein. Faut pas que tu me tues, mais juste tu me mets l'eau. Est-ce que ça a été fait? Ah ouais. Ah là là, qu'est-ce que c'est rageant. Je pense qu'il y a des manettes qui ont dû casser à cause de ça, moi je vous le dis. Ensuite les potes, il y a les capacités de spécialistes, mais vraiment, mais c'est trop cheaté, bordel, c'est vraiment trop cheaté.
Je commence avec la batterie, la grenade de la batterie. Mais c'est pas une grenade, les gars, c'est une bombe nucléaire, sérieusement. Non mais sérieux, c'est une grenade qui va exploser une première fois. Ensuite, elle va lâcher quelques petites autres grenades qui vont à leur tour elles-mêmes exploser. Donc si tu te fais pas tuer par la première explosion de la grenade, tu te feras forcément tuer par les petites grenades qui ont explosé derrière. Exemple. J'ai une conséquence. Vas-y, lance. Ensuite les potes, en restant dans la catégorie des spécialistes, bien sûr je ne peux pas passer à côté, et ce spécialiste a fait rager complètement tout le monde sur le jeu, hein. Je ne peux pas passer à côté, je parle bien sûr, tu l'auras deviné, du chien du nomade. Ce n'est pas un chien pour moi, c'est carrément un titan de guerre, c'est carrément un tank. Tu pourras lui mettre toutes les balles que tu veux, il ne mourra pas avant 5 minutes. Non mais vraiment, c'est vraiment un truc de fou, regardez. Il est dans la baraque, il arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est 125 points. Trop cheaté. Ensuite les potes, pour le dernier point, pour cette vidéo, je vais bien sûr vous parler encore d'une capacité de spécialiste. On reste dans le thème. Je vais bien sûr vous parler de la mine en série. La mine en série, elle existe pour qui? Pour les noobs, hein, bien sûr. Je vais vous montrer de toute façon un petit extrait comment les noobs utilisent cette mine. Eh bien, ils mettent la première mine à une extrémité d'une porte, la deuxième à l'autre extrémité, et en gros, si tu passes dedans, tu te fais tout simplement exploser. Bien sûr, les noobs les utilisent en campant dans des maisons, comme ça, si tu rentres dans la maison pour les décamper, tu mouriras dans tous les cas. Preuve à l'image. Donc voilà les potes, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas pour cet épisode, je pense qu'il y aura d'autres, puisque bien sûr ce n'est pas les seuls faits et choses qui nous font rager sur le jeu. Donc voilà, si vous voulez un épisode 2 avec d'autres faits, etc. sur le jeu qui nous font rager en tout cas, n'hésitez pas à le dire. Et dites-moi aussi en commentaire ce qui vous fait le plus rager sur le jeu, vraiment. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, hein, je trouve. Enfin bref, aussi les potes, je tiens à m'excuser pour ma voix, etc. Je suis pas, je suis peut-être un peu lent quoi, mais je suis vraiment très malade. Mais ça m'empêche pas de vous faire la vidéo, j'ai envie de vous faire une vidéo, même de commenter, voilà, je fais au mieux. Normalement cette vidéo je devais la sortir un peu avant, mais vraiment avant c'était vraiment pas possible parce que j'étais vraiment couché au lit quoi, avec ce temps qu'il fait en ce moment, même si j'habite dans le sud, avec le froid, les gros froids qui arrivent, etc. On n'était pas habitué, nous dans le sud, on est carrément à passer de 25 degrés à 2 degrés en 2 jours quoi, c'est vraiment un truc de fou. Enfin bref, voilà, j'espère que vous m'excuserez. En tout cas, sachez que je fais ça pour vous. J'ai envie de rester actif sur la chaîne en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Essayez d'atteindre le nombre de 100 likes. Vraiment, ça me ferait hyper plaisir. C'est la récompense. Je vous ferai bien sûr une autre vidéo dessus si vous le demandez en tout cas. Parce qu'il y a encore beaucoup de faits qui nous font rager sur ce jeu. Et ça peut être drôle encore de faire d'autres vidéos de ce genre. Enfin bref, voilà les potes. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. J'espère que je serai plus malade en tout cas. Passez une bonne journée ou soirée. Je vous dis peace et à la prochaine.